paraît qu'il s'est passé la même chose en Guyenne. Les rats. La morsure qui empoisonne le sang. Ça semblait pourtant si loin. Oiseau, reviens. Hé, hey, tu faisais un rêve. On est arrivé ? Non, mais c'est plus très loin. Hé hey. Ne regarde pas. Pourquoi ? Ça les fera pas partir. Ça changera rien. Hugo, tu étais en pleine crise. Je veux pas aller à Marseille. D'autres gens vont mourir, tu le sais. Mère pense que tu... Non ! Sur l'île ! C'est là que je dois aller. Là-bas, on pourra me soigner, Amicia. On va la trouver, s'il te plaît. Personne m'écoute. J'ai dit à maman que j'avais mal, mais le magistère m'a dit de me taire, que ça faisait partie de l'examen. Maman et le magistère, ils croient tout savoir, mais ils ont tort. Et les gens meurent à cause de moi. Hé. Je sais. Je ferai ce qui est le mieux pour toi. C'est promis. Lucas, va voir le capitaine avec Hugo. Bien sûr. Il va te montrer comment tenir la barre. Je vais lui demander de nous apprendre à faire des nœuds marins. Et peut-être qu'il nous laissera naviguer ? Oui. Nous devons le mettre en lieu sûr, Amicia. Vous voulez l'enfermer à nouveau ? Ça n'est pas la même chose. Tu as vu ce qui s'est passé ? L'ordre a des hommes et du matériel. Ils sauront comment l'aider. Tout ça est arrivé à cause de ce que vous et Vaudin avez fait à Hugo. Mère, si vous continuez de l'isoler et de lui infliger ces tortures, ça va le tuer. C'est un enfant, c'est une victime comme toutes les autres. C'est mon enfant. Je ne suis pas ton ennemie, Amicia. Je sais à quel point tu aimes Hugo et je sais que je ne peux pas vraiment comprendre le lien qui vous unit tous les deux. Mais tu dois ouvrir les yeux. Ce qui est arrivé là-bas se reproduira. C'est vrai. Vous ne pouvez pas comprendre. Oh, les débris ! Ils nous bloquent le passage ! Je vais jeter un œil. Je pense voir le problème. On va le régler tous les deux. D'accord, gamin. Je vous laisse vous en charger. Hé, hey, tu peux retourner à l'intérieur si tu veux. Non, tout va bien. Je ne te laisserai pas tomber, je te l'ai dit. Pour l'instant, on doit faire avancer ce bateau. Et c'est loin d'être fait. Oui, vas-y. Merci. Regarde, il y a un tas de débris coincés sous la coque. On les retire ? Ça prendrait trop de temps. Et si on le poussait, simplement ? Eh bien, on peut essayer. Prêt ? Oui. Alors, pousse ! Vous allez devoir nous rattraper ! Quoi ? Amicia ! Suis-nous ! On attendra plus en aval ! Allez, viens. Il faut qu'on trouve un chemin. Bon, j'espère que Joseph pourra arrêter le bateau. Il ne méritait pas ça. C'est une tragédie. Je n'aurais jamais pensé. C'est trop tard. Mais cette île... Hugo dit que ça va tout arranger. Alors ce sera le cas. Comment ? La question, c'est où ? Il faut qu'on la trouve. Et votre mère ?
Ça m'est égal. Mais toi, tu vas devoir choisir ton camp. C'est ma magistrat. Essayons par ici. C'est calme. Oh, c'est quoi ça? Pas de panique. C'est juste un cerf qui brame, je pense. Oh, Seigneur. J'avais oublié qu'ils existaient. La saison des amours doit déjà avoir commencé. C'est comme si rien n'avait changé pour eux. Le cours de la nature ne dévie jamais. Le chaos qu'on affronte doit en faire partie. Sauf qu'eux font la cour alors que nous, on essaye juste de survivre. C'est vrai. Repartons. Après toi. Un passage, là. Par ici. La rivière est là. Mais voilà. Bon sang. C'est encore pire vu d'en haut. Cette odeur est... Qu'est-ce que c'est? Non, non, non! Que se passe-t-il? C'est eux! Ils sont déjà là! Oh, on est... On est en sécurité, je crois. On a eu de la chance. Elle va bien, Hugo. Ils vont bien tous les deux. Oui, mais il y a les rats. On sait quoi faire. On arrive. Alors, par où on commence? Il y a des brasiers de l'autre côté. Cette botte de foin devrait bien brûler. Mais elle brûlera vite. Encerclé. Il y a forcément un moyen. Ces grues. Oui. Si elles peuvent déblayer le passage. Et celle-ci a une manivelle. On devrait tenter le coup. Lucas, à toi de jouer. Bien. Ça fonctionne. La paille bouge. Oui. Ça pourrait nous permettre de passer. Tu abuses trop. Ce dont ils sont capables. Ils ont détruit une ville entière. Et ça recommencera. Si on continue d'ignorer les émotions d'Hugo. Oh, la paille ne suffira pas. Amicia, le feu s'éteint. Rallume le ballot de paille, vite. Occupe-toi de ça, Lucas. D'accord. Ça fonctionne. La paille bouge. Oui, ça pourrait nous permettre de passer. Tu abuses trop.
ce dont ils sont capables. Ils ont détruit une ville entière. Et ça recommencera, si on continue d'ignorer les émotions d'Hugo. Oh, la paille ne suffira pas! Oh, oui! Formidable! On va y arriver! Il y a une autre grue! Je pense pouvoir t'aider à traverser! Oui! Essaie de bouger la botte de paille vers moi! Je devrais pouvoir l'allumer! Elle arrive! Tout ça juste pour atteindre Marseille! Mais tout pourrait s'arranger là-bas! C'est pas le cas! Et Hugo n'y croit plus! Oui! Je peux comprendre pourquoi elle ressent ça! J'y suis! Bloque-la ici! D'accord! J'arrive! Allez, on peut continuer! Amicia! Oui, on arrive, Hugo! Il est toujours effrayé. Il faut vite que je le rejoigne! Ta mère est avec lui. Elle est perdue, Lucas. Et il le sait. Bon. Faisons en sorte que tu remontes vite à bord. On va de nouveau utiliser cette grue. Bien. Tu entres en scène, Lucas. Immédiatement. Amicia, tu devrais me dire ce que tu as en tête. À propos de quoi? De cette île. Je te connais, tu sais. Je te l'ai dit. Tu dois choisir ton camp. C'est fait. Dis-moi quand lâcher. Maintenant, j'y vais. Allez, plus vite. Le sol avec. Va jusqu'à l'escalier. Ça fera l'affaire. Oui, beau lancer. Belle réception. Bon, à moi. Seigneur. Tu peux y arriver, continue de courir. Oui, c'est juste des rats, hein? Je connais les rats. Et alors, j'attends quoi? Allez, allez. Yeah. Cours, réfléchis pas. Ne pas réfléchir. Ah!
Tu cours plutôt vite. Merci. Une bonne motivation. C'est la clé. Je suis coincé. Ce truc est verrouillé. D'accord, je m'en occupe. Bon, on a une autre botte de paille. Je l'enflamme et on court. D'accord. Prépare-toi. On peut se débarrasser des rats avant. Faites que ce soit utile. Merci. Ça m'aide à prendre de l'élan, je crois. On est tout proche. Respire. J'essaie. Bien, mettons-nous au travail. Ça devrait me simplifier un peu la vie. On y est presque. Espérons que ça se passe mieux à Marseille. Une fois que l'Ordre aura mis la main sur lui, ça sera trop tard. Amicia, ils ne peuvent pas tous être comme Vaudin. Je ne suis pas prête à prendre ce risque. Tu me connais. Je reviens toujours. C'est ce que je lui ai dit. Mais c'est bon de vous voir sain et sauf. Désolé de vous interrompre, mais on doit y aller. Il y a toujours une foutue chaîne qui nous bloque. On va s'en occuper. Cette manivelle est reliée à la chaîne. Voyons ce qu'elle fait. Ça contrôle un bac. On n'a pas besoin d'un badge. On a besoin de casser cette chaîne. Il n'y a rien de notre côté. Ça doit être rouillé. Peut-être de l'autre côté. Ce bac pourrait m'y emmener. C'est un chantier pas possible sous ce ponton. Quelque chose doit entraver la chaîne. Comment on va descendre là-dessous? On va trouver. C'est coincé. Peut-être de l'autre côté. Ce bac pourrait m'y emmener. En pente, ça restera pas en place. Lucas, tu dois le faire. Naturellement. Alors ? Tu trouves un passage ? Il y a un trou là. Sois prudente. Oh. Est-ce que ça va ? Je vais bien. Il y a des morts partout. Sors de là. Non.
Non. Pitié, non. Oh, je suis désolée. J'ai pas... Pardonnez-moi. Il faut que je le fasse. Tout va bien ? Oh. Prête ? J'avais tellement besoin d'air. Prends ton temps. J'attends ton signal. Tu peux arrêter maintenant. T'es-tu... Désolée, Amicia. J'ai peur. Mais non ! Tu n'y es pour rien. Tout ira bien à Marseille, Hugo. Je ne veux pas aller voir l'or. Magister Vaudin n'était pas un homme gentil, je le sais. Mais cette fois, ce sera différent. Mère, son île, pas maintenant, Amicia. Très bien. Bien, il faut dégager cette chaîne, d'une façon ou d'une autre. Tu vois quelque chose ? Je cherche ! Il y a forcément quelque chose ici. Ça pourrait marcher. Écarte-toi, ta chaîne ! Compris ! Wow ! Réponds ! Ça va ! J'ai juste failli me faire écraser. Comment elle va revenir ? Bon, la chaîne est partie, mais les pontons aussi. Je vais m'arrimer aux écluses du pont. Lucas, tu peux y aller ? J'y arriverai. D'accord, je me rapproche. Attention ! Sois prudente. Oui, oui. Je me moque bien d'être en sécurité. Ce qui m'importe, c'est Hugo, mère. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais lui, écoutez-le, au moins. Calme-toi. Concentre-toi.